Avant de commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler encore avec notre Google Home préféré et des nouvelles applications en pagaille. Il y en aura vraiment pour tout le monde, des applications prise de tête, des applications pour rigoler, des applications pour jouer. Et oui, je vous ai concocté une super vidéo avec vraiment beaucoup d'applications. J'espère qu'elle vous plaira. Montrez-moi ça en vous abonnant à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. On est 8500. C'est énorme. Je vous remercie beaucoup de me suivre, de partager les vidéos. Allez, on va tout de suite rentrer dans le thème de la vidéo. On va demander à notre Google Home. Et comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour beaucoup des applications, il n'y a plus besoin de dire « parler avec ». On lance maintenant le mot-clé et on dit le nom de l'application. Allez donc, c'est parti, on va dire à notre Google Home « Terre, Soleil, Lune et Anecdote ». Bien sûr, voici Terre, Soleil, Lune, Anecdote. Quel plaisir de vous retrouver pour jouer Terre, Soleil, Lune, Trivia. Attention, c'est parti, sur quel sujet voulez-vous travailler ? Terre, Lune ou Soleil ? Lune. Numéro Lune, c'est parti. Avec quelle difficulté voulez-vous commencer ? Facile, moitié, difficile ou plus ? Facile. Faux. Non, pas tout à fait. Vous auriez dû répondre vrai. Question numéro 2, c'est reparti. Quand est-ce que l'homme a d'abord marché sur la Lune ? 1968, 1996 ou 1969. 1969. Oui, c'est bien ça. Joli. Question numéro 4. Qu'est-ce qui fait lever la Lune ? La alineation de la Estrellas. Stop. Ok, voici votre score. 1 sur 5. Au revoir. Voilà donc, cette application est vraiment géniale. Parlez. Donc, vous lancez votre mot-clé. Vous lui dites Terre, Soleil, Lune, Anecdote. Et vous allez pouvoir jouer en famille, entre amis, avec les collègues, c'est cool, on participe tous ensemble et en plus, ça fait passer un bon moment. Allez, on continue et on va demander, on va rester dans l'espace et on va demander au Google de la station rover. Très bien, je vous mets en relation avec la station rover. Voici le dernier rapport de la station rover du 2097 Sol qui correspond au 29 juin sur Terre. Les températures allaient de moins 60 à moins 23 degrés Celsius avec une pression de 789 hectopascales. Voilà donc, la station rover est une station qui est actuellement sur Mars et notre Google Home est connecté avec cette station et on a en temps réel ce qui se passe au niveau des différentes températures sur Mars. On continue pour une petite troisième, c'est parti, on va discuter avec... Alors ici, souvenez-vous, à l'école, lorsqu'on avait en physique chimie, le tableau périodique, comme ça nous prenait la tête, c'était terrible. Eh bien, notre Google va pouvoir nous aider à réapprendre ce tableau en demandant... Quiz, tableau périodique. Très bien, je vous mets en relation avec Quiz, tableau périodique. C'est un plaisir de vous retrouver dans Quiz Tableau Périodique. Voyons si nous pouvons faire travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème élément. Première question, quel est le symbole pour rubidium ? H. Alors, quelle est votre réponse ? HE. Ah non, pas de chance pour cette fois. La réponse est RB. Voici la question suivante. Quel est le symbole pour fer ? Fe. Très bien, essayons encore une fois. Quel est le symbole pour cobalt ? Co. Très bien, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Voilà donc, vous allez pouvoir donc demander, faire un petit quiz avec le Google Home, voire même avec, là aussi, des collègues, la famille. Le petit quiz, tableau périodique, c'est pour vous prendre la tête, les méninges, ça va chauffer. On y va pour la quatrième, c'est parti. Cette fois, on reste encore dans la Lune, on reste encore dans l'espace. Et aujourd'hui,
on a une station qui tourne autour de la Terre. Et cette station, on va pouvoir avoir des renseignements de qui se trouve à l'intérieur, quand on va pouvoir la voir, etc. Et ceci en demandant à notre Google parler avec ISS Info. Ok, je vous mets en contact avec ISS Info. Bonjour, vous pouvez me demander où est la station spatiale qui est à bord, quand vous pouvez le voir, un fait sur la mission ou les nouvelles. Qui est à bord? À bord de la station spatiale aujourd'hui sont Sergueï Prokopev de Roscosmos, Alexander Gerst de ESA, Serena Huentil de Oaxaca Nguyen, Chancellor de NASA, Andrew Feustel de NASA, Richard Arnold de NASA et Oleg Artemiev de Roscosmos. Quand je pourrai la voir? S'il vous plaît, dites quelle ville vous voulez connaître les temps de passage pour. Paris. Il y a un passage sur Paris en France le vendredi juillet 6e à 4h45 du matin qui durera pour 5 minutes quand la prévision est pour des nuages épars et une assez bonne visibilité. Ce sera un brillant passage qui monte dans le sud-sud-ouest, des ensembles dans l'est et atteint 27 degrés au-dessus de l'horizon. Voilà donc. Vous allez sur votre Google Home, vous lui demandez tout simplement ISS Info et vous allez avoir tous les renseignements sur la station spatiale quand vous allez pouvoir la voir suivant la ville où vous habitez. C'est franchement super génial. On va changer un peu de rubrique, on va aller dans le sport et on va demander à notre Google Home parler avec RTS Sport. Très bien, je vous mets en relation avec RTS Sport. Bonne fin d'après-midi. Le prochain match sera dans 2 jours et va être entre l'Uruguay et la France. Le deuxième match est entre le Brésil et la Belgique. D'après toi, quel va être le résultat du match entre le Brésil et la Belgique? C'est le Brésil qui gagne? Ou encore match nul, ou bien la Belgique qui gagne? Match nul. Vous êtes 100% à penser à un match nul. Voici le flash sport d'il y a 11h intitulé Sport Matin, Mondial de football, la Suisse éliminée en huitième de finale face à la Suède. Sport Matin avec Crédit Suisse, Suisse et Interdiscount. Et on part tout de suite pour Saint-Pétersbourg où on vous retrouve. Bonjour Bernardin Lehmann. Bonjour Romain. Bernardin, vous avez suivi l'équipe suisse de football pour nous Ok, depuis le nouvelle. début de ce... Stop. Surtout n'hésitez pas. Allez voir ces applications sur votre Google Home, elles sont super géniales. On va passer et on va rester d'ailleurs pour la dernière application et on va rester sur le sport. C'est le thème, samedi, on a un grand événement qui se passe en France, c'est le Tour de France. Et on aura bien sûr notre application sur notre Google Home et cette application, on va demander à notre Google Home de parler avec mon Tour de France. Bien sûr, voici mon Tour de France. Bienvenue sur mon Tour de France. Le départ de la Grande Boucle sera donné le 7 juillet avec la première étape Noirmoutier-en-l'Île, Fontenay-le-Comte. Voilà donc, c'est samedi, le premier départ du Tour de France. Et grâce à votre Google Home, vous allez pouvoir donc suivre le Tour de France en temps réel. Ça, c'est vraiment génial. Je viens tout juste de découvrir de toutes nouvelles applications qui viennent de sortir sur notre Google Home. On va s'arrêter ici pour cette vidéo pour qu'elle soit le moins longue possible. Je vais donc vous faire une autre vidéo sur les prochaines applications qui viennent de sortir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez surtout à la partager et à vous abonner, c'est important. 8500 sur la chaîne. Je vous remercie beaucoup de partager, de liker et de vous abonner. On se dit donc à très bientôt pour la prochaine vidéo sur Google Home et ses nouvelles applications. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao!